Les circuits du 21 et du 42 ont été retracés pour permettre une meilleure optimisation des performances. Parce que un marathon ne doit pas avoir de cote de plus de 15 à 18 % de montée. Donc ça a été retracé pour pouvoir permettre aux athlètes qui vont faire ce marathon de faire des performances meilleures que celles des années précédentes. Les corps à biais, c'est gratuit, mais que si à titre personnel, un corps à biais veut participer et puis gagner le marathon, pour pouvoir gagner les 10 millions, il faut payer. Il ne peut pas venir participer sans... Donc, il peut être corps à biais, mais il ne va pas faire partie des gratuits. Il vient, il s'enregistre lui-même en tant que corps à biais, et puis il participe, s'il gagne, tant mieux. 2000 francs pour participer. Aux 10 km 5000 et le 10 km, de 42 km 10000. Voilà. Ou non, le reste c'est gratuit, tous ceux qui veulent venir courir c'est gratuit. Celui qui fait le marathon avant d'une certaine distance aura 10 millions, celui qui le gagne en 4 heures ou 5 heures ou en 10 heures, le premier qui arrive aura 2 millions. Concernant le marathon à proprement dit, l'année dernière nous étions à 17 000 participants, cette année nous avons fait 20 000 dossards, donc nous attendons au moins 20 000 participants. Ce que je peux dire à la population ivoirienne, c'est de commencer à s'entraîner, de commencer à se préparer pour pouvoir venir courir et faire de ce jour du 15 novembre 2018 un jour de fête.